Ils donnent la vie, connectent le monde et promeuvent le développement. C'est ainsi que le président chinois a décrit l'importance des océans du monde. Il a dit qu'ils devaient être protégés et chéris de tous. Xi Jinping a expliqué que la Chine avait adopté une politique de défense défensive par nature, ajoutant que la marine chinoise hissait haut la bannière de la coopération gagnant-gagnant et s'engageait dans un paysage sécuritaire d'égalité, de confiance mutuelle et de justice. Le président chinois Xi s'est aussi fait le champion de l'idée de bâtir une communauté maritime de futur partagé. Il a déclaré que la Chine espérait absorber toutes les idées utiles, accroître le consensus et apporter la sagesse chinoise à cette cause. Le commandant en chef de la marine royale thaïlandaise, l'amiral Lui Chai Ruddit, représentait les dirigeants des marines étrangères en visite en Chine. Il a félicité la Chine pour le 70e anniversaire de la fondation de sa marine et a dit qu'il pensait que l'idée de communauté maritime de futur partagé permettrait de sauvegarder la paix et la prospérité en mer.